Salam alaikum, Azurfulaoun, bonsoir. Nous commémorons aujourd'hui le 59e anniversaire de l'assassinat de l'Arbi Ben Mehdi. Juste après son arrestation, le 23 février 1957, le très fameux Bijar anime une sorte de conférence de presse qui ressemblait à s'y méprendre à une exposition de trophées. Dans la plus pure tradition romaine. En la circonstance, la prise de guerre était l'Arbi Ben Mehdi, l'un des principaux fondateurs et leaders de la révolution algérienne. Il était détenu par les parachutistes du général qui venait de l'arrêter quelques jours plus tôt. Un journaliste l'interpella en ces termes. Je cite, « Monsieur Ben Mehdi, ne trouvez-vous pas lâche d'utiliser les sacs et les couffins de vos femmes pour transporter vos bombes, des bombes qui font tant de victimes innocentes ?» Fin de citation. Ben Mehdi le regarda intensément. Son visage exprimait de l'amertume. Malgré la forte présence des parachutistes armés, dans la salle, il était menotté. Il fit cette réponse au journaliste, une réponse qui allait rester dans l'histoire et qui continue à ce jour de susciter des débats sur les peuples qui sont poussés au désespoir et à qui on ne laisse d'autre choix que de recourir à la violence pour répondre à une violence infiniment plus exterminatrice. Voici ce qu'il répondit. Je cite. « Et vous ?» Ne vous semble-t-il pas plus lâche de larguer sur des villages sans défense vos bombes au napalm qui tuent 1000 fois plus d'innocents? Évidemment, avec des avions, cela aurait été beaucoup plus commode pour nous. Alors, donnez-nous vos bombardiers, monsieur, et on vous donnera nos couffins. » Fin de citation. Prisonnier, il suscita l'admiration des plus hauts généraux, des plus hauts officiers supérieurs de l'armée française qui purent lui parler. Jamais ils n'avaient imaginé que les leaders de la révolution algérienne étaient d'un tel niveau intellectuel, ni qu'ils étaient portés par des idéaux aussi sublimes, ni qu'ils étaient d'aussi valeureux combattants. Un preux, dira de lui l'officier qui allait lui présenter les honneurs militaires. Les honneurs militaires qui sont en fait la première reconnaissance, en vérité, de la révolution algérienne comme une guerre de libération et non plus comme une insurrection de gueux. Mais cette admiration que suscitait l'Arbi Ben Mehdi ne les empêcha pas pour autant de le faire torturer, puis de le faire assassiner par le sinistre Osares, l'exécuteur officieux des basses œuvres, qui avoua plus tard avoir exécuté sommairement un grand nombre de moujahidines qui avaient été pris. Il avoua aussi avoir personnellement pendu ou du moins assisté à la pendaison de l'Arbi Ben Mehdi, un assassinat qui sera maquillé en suicide. Nous allons regarder ensemble, avant de présenter les journaux d'aujourd'hui, un témoignage de Jacques Allaire, lieutenant au moment des faits, celui qui avait fait présenter les armes par un piqué d'honneur de l'armée française à l'Arbi Ben Mehdi, sur l'ordre du colonel Bijar, très vraisemblablement. Allaire, qui avait la charge de garder Ben Mehdi, avait reçu la visite de Osares et de son équipe de tueurs. Ils étaient venus chercher le prisonnier. Allaire compris que le destin de celui-ci était désormais scellé. C'est alors qu'il décida, certainement avec l'accord de Bijar, qu'il avait appelé au téléphone pour lui faire confirmer qu'il devait bien remettre l'Arbi Ben Mehdi à ses futurs tueurs. Il avait donc décidé, avec l'accord de Bijar, très vraisemblablement, de présenter les honneurs militaires à l'Arbi Ben Mehdi. Dans les règles de l'art, des honneurs militaires présentés par un piqué d'honneur de soldats français en guêtres et gants blancs. Osares fit tout pour empêcher cet hommage et cria au scandale
mais Haller alla jusqu'au bout avant de remettre le prisonnier à ceux qui allaient le torturer, puis l'exécuter. Il dit l'avoir fait la mort dans l'âme. Vous allez voir et entendre dans cette vidéo le même Osares reconnaître, même si c'est à demi-mot, que c'est lui-même qui a assassiné l'Arb ibn Mehdi. Regardez. Des états d'âme, nous en avions, mais une mission, nous l'avions aussi, nous avions une mission à remplir. Fallait-il démissionner, quitter l'armée ? Je ne pense pas avoir perdu mon honneur en Algérie, disons que j'ai perdu un peu de mon âme. C'est vous qui l'avez pendu. C'est un peu ça. C'est un peu ça ? Oui. Ou complètement ? Il y a prescription. Justement. Non, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Il est mort pendu. Il est mort pendu, oui. En votre présence. Je ne le dirai pas. Alors, aujourd'hui, je rappelle, avant de présenter nos invités, que c'est l'Arbi, Rabbi Rahmo, au moment de sa mort, de son assassinat, avait moins de 34 ans. Avec nous aujourd'hui sur le plateau, Saïd Lebbez, parent de Ben Mehdi. En Skype, le professeur Abben Belaïd, professeur de médecine et politologue, qui nous parlera depuis Paris. Et Montasser Obotron, journaliste et chercheur en histoire d'Alger. Alain Bixi Lebbez, merci d'être avec nous. Bonsoir, mon cher frère Jamal Bin. C'est avec un grand honneur d'être parmi vous. Merci. Je n'hésiterai jamais, même si je suis en convalescence actuellement, vous merci. Pouvez nous connaître de ma voix. Là, je suis nous là. Nous avons même proposé de rester au téléphone, mais vous avez insisté. J'ai insisté d'être sur le studio, sur le live, pour que tout le monde comprenne pour quelle raison je suis là et pourquoi nous sommes là et qu'est-ce qu'on est en train de faire, justement, célébrer une certaine événement, qui est très cher pour tous les Algériens. Absolument. Et pour l'histoire algérienne, bien absolument. Sûr. Avant de montrer quelques photos que vous voulez nous ramener, de parler un peu de votre lien de parenté avec l'Arb ibn Mehdi, nous allons vous présenter les journaux aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Huffington Post. 59e anniversaire de la mort de Ben Mehdi, sa demeure sera une annexe du musée du Moudjahid. Reporter. Histoire, anniversaire. La sœur de l'Arbi, Ben Mehdi, appelle la France à présenter ses excuses. Par Meriem Kassi. Liberté. Célébration aujourd'hui du 59e anniversaire de la mort du Moudjahid. L'arrestation de Ben Mehdi reste une énigme. Par Nasser B. Alors, vous nous avez ramené une belle photo, vous avec votre grand-mère qui est la sœur de l'Arbi ibn Mehdi, Fatima Zahra Ben Mehdi. C'est ça, oui. Là, je vous montre la photo. Voilà, donc elle est toujours en vie, oui, elle est en bonne santé. Malheureusement, elle est très malade parce que je viens juste de monter ou de rentrer du pays là. Je l'ai vu, ça m'a fait pleurer parce que nous allons revenir vers vous dans un moment. S'il te plaît. Reprenez votre souffle. Je vais accueillir à présent Belaïd Abben. Professeur Belaïd Abben, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, professeur Belaïd Abben, vous vous intéressez de très près à l'histoire. Vous êtes vous-même le neveu de Abben Ramadan. Vous venez de commettre, si je peux me permettre le terme, un livre, un ouvrage sur Abben Ramadan, sur sa vie, sur son parcours. D'ailleurs, nous nous proposons de vous recevoir dans ce studio en direct pour en parler avec vous.
Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'Arab Ibn Mehdi? Je ne sais pas si je dois rappeler quelques éléments de sa vie, de sa biographie. Je pense que les choses les plus informatives, on peut dire qu'il est né en 1923 à Ain Lila et qu'il a vécu son enfance et son adolescence dans l'Est algérien, notamment à Biskra et à Batna. Ensuite, son âge adulte, où il a commencé à gagner sa vie à Constantine, et c'est à ce moment-là qu'il s'est immergé dans le mouvement national, notamment par le biais du mouvement algérien. Est-ce qu'on m'entend bien, cher Jamal ? Oui, très bien, très bien. Donc, les scouts musulmans algériens, et c'est comme ça également qu'il rentre au PPA, peu importe les dates exactes, ce n'est pas le plus important. Donc une étape très importante, c'est 1945. Tout le monde sait ce qui s'est passé avec les massacres de l'Est algérien, et c'est comme ça qu'il a été arrêté, qu'il a passé un certain nombre de mois en prison. Ensuite, il devient membre actif du MPO, le PPA est interdit, et à la création de l'OS, il devient donc un membre parmi les premiers, parmi ont vu de l'organisation spéciale chargée de déclencher, de préparer, de déclencher la révolution. Belaïd Ebben, je vais vous interrompre ici parce que le son devient un peu moins audible. Donc nous allons vous rappeler par téléphone et vous resterez avec nous en image. Je reviens à vous dans un instant. Je reviens, M. Lebez. Vous me disiez à l'instant, quand Belaïd parlait, que la date de naissance n'est pas la bonne. Non, c'est la bonne. Oui. Son frère, il est né en 1931, Mohamed Tahar, parce qu'il y a deux là, il y a Mohamed Al-Arabi et Mohamed Tahar. Oui. Et lui aussi, il est tombé au champ de bataille. Ah, d'accord. Ben oui. Et il est beaucoup plus éduqué que Al-Arabi, rahimahullah. Il a fait plus d'études, vous voulez dire. Il était universitaire, Mohamed Tahar. Son frère. Oui, tout à fait. Beaucoup moins connu. Il est beaucoup moins connu parce que c'est un bonhomme qui était un peu discret. C'était aussi un architecte des grandes batailles de l'Est algérien. Il est tombé au champ de bataille dans un endroit près de Kolo. C'est pas aussi sûr, mais d'après les témoins, d'après ce que j'ai appris de ma famille, de ma grand-mère, de Abdelkrim Hassani, le mari à Drefa, mes cousines, ce qu'il est tombé. Drefa qui était aussi, elle aussi, la sœur de. C'est le porte-parole. Drefa, le porte-parole. Oui. Drefa, c'est la plus connue de la famille. C'est la plus connue. Oui. C'est celle qui s'exprime le plus. Absolument. Oui. C'est elle qui veille sur l'héritage de Ben Hedi, voilà, tout le temps. Personne ne pourra dire quoi que ce soit sans l'agrément de Drefa. Très bien. Nous aurions voulu l'inviter, elle aussi. Malheureusement, oui. Elle était parmi, si vous voulez, les gens d'honneur qu'ils ont été aujourd'hui commémorés. Pour commémorer. Ils sont rendus à la maison. La maison natale de l'Arab Ibn Mehdi, pour en faire un musée. Chaque année. Une annexe du musée du Moujahed. Oui, chaque année, il y a des célébrations du côté de Ain Lila, de Wal Kwahi, bien sûr, tout le monde le connaît. Malheureusement, les célébrations sont complètement dépourvées ou dénudées du système ou des régimes illégaux, illégitimes, incompétents, et qui a trahi, bien sûr, la mémoire des Shuhada et l'un de l'architecte de notre. Guerre de libération, comme vous avez dit tout à l'heure, là. Donc, il faut prendre en considération sérieuse l'histoire de notre prodige enfant, l'histoire de Ben Hedi et les autres qui ont fait une ligne rouge entre rester les bras croisés et atteindre le bout du fil, leur rêve, la libération de notre pays. Et je vous rappelle que l'Arab Ibn Mehdi avait dit à ses compagnons avant de disparaître. Qu'il préférait mourir avant l'indépendance. Mon cher frère Jamal, il a dit pas mal de choses. La première qui me tient toujours à cœur, c'est ce qu'il a dit là. Je suis fier que ma chair ne m'a pas trahi. Elle était sous la torture. Et ce qu'il a laissé à M. Bija, le sourire là. Oui. Le fameux sourire Ben Mehdi. Oui. Personne ne pourra contredire ça. Personne ne pourra falsifier la cour de son histoire, et s'est marié à son pays. Oui. Hein? Donc, c'est lui qui a dit « il y a un seul héros,
c'est le peuple. Tout à fait, tout à fait. Il a dit aussi pendant sa capture, hein, donnez-nous vos bombardiers, on vous donne nos confins. Je viens de le dire dans le, voilà, l'introduction. Vous ai, oui, j'ai, oui, j'ai entendu, oui, là. Il a aussi dit, nous sommes en champ de bataille, il y a d'autres en Tunisie qui sont en train de penser aux chaises, là. Et oui, c'est ce qui s'est passé actuellement. Oui, après notre indépendance, on va oublier toutes nos souffrances et il va se passer des choses affreuses. Et c'est ce qui se passe actuellement en Algérie, une Algérie libre, une Algérie de Ben Mhidi, de Mustafa Ben Bouled, etc. Rahimahumallah. Votre grand-mère, Fatima Zahra, Allah yadhkara ala khair, Allah yashfiha, inshallah, elle avait quel âge? Elle était plus âgée ou moins? Elle est plus âgée que... Plus âgée. Elle est plus âgée. Elle se rappelle de lui, enfant? Ben oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle dit de lui? Elle m'a raconté pas mal d'histoires. Elle le savait. Une fois, ça fait pas longtemps, quand elle était consciente, parce qu'elle a perdu maintenant la conscience, malheureusement, elle est malade, elle est complètement... Elle a eu un AVC et complètement maintenant... Sa santé a détérioré. Quand je l'ai vue la dernière fois, mon cœur, c'était... J'arrive pas plus à la... Mais c'est toujours un symbole pour moi. Oui. Hein, et à chaque fois que j'apprends quelque chose de ma grand-mère. Et elle m'a dit, il venait comme ça, soudainement, là. Et il me donne des papiers. Il lui dit, cachez-les dans le truc de... Shkair ta Nama, là. Laisse-les là. Tout le monde le savait, qu'est-ce qu'il fait, mais tout est secret. Et c'était à Enlil, dans ce village, non, qui s'appelle comment, près de Enlila? Kwahi. Dwar al-Kwahi. Mais non, il a quitté. C'est à Biskra. Oui, il a quitté. Oui. Ils ont quitté. Ils ont quitté leur village natal. Ils sont passés à Biskra. Ils sont installés à Biskra. C'est là où il s'est introduit dans les scouts. C'est là où il a commencé à apprendre avec mon grand-père Marhoum, Cheikh Ali Marhoum, qui est actuellement Nejlo. Il est marié à ma grand-mère. C'est, voilà. Oui, oui. C'est comme ça. L'Ostad Cheikh Ali Marhoum, c'était le président du Conseil islamique supérieur pendant le gouvernement et le ministre Mouloud Qassem. Voilà. Donc il a fait ses premières armes militantes à Biskra, qui est un haut lieu du militantisme politique. Absolument, oui, absolument. C'est là où il a commencé à apprendre la stratégie, la tactique, la diplomatie d'un l'un des derniers élèves de Ben Badis, Cheikh Ali Marhoum. Oui. Et c'est comme ça qu'il a connu Cheikh Ali Marhoum, bien sûr. Après avoir été introduit dans les scouts, apprendre les stratégies et la politique, il est monté à Constantine pour continuer ses études. Oui, oui. C'est là où il a continué, si vous voulez, l'étude normale, Fulkitania. Oui, Kitania. Tout le monde le connaît. Oui. Et puis après, mais il n'a jamais aimé le système éducatif français, là. Il est toujours un rebelle. Restez avec nous. Merci. Nous allons recevoir Montasar Obatron. Merci d'être avec nous, Montasar Obatron. Merci à vous et à vos invités aussi. Merci. Alors, nous allons aller directement à des questions directes pour essayer d'en dire le plus possible en très peu de temps. Est-ce que l'Arabi Brimidi a vraiment été torturé avant son exécution et comment l'a-t-on su? Personnellement, d'après les recherches et d'après les informations, parce qu'il faut dire que sa mort est restée un mythe presque un demi-siècle, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup d'officiers supérieurs ont écrit des livres pour accréditer des thèses, soi-disant que c'est Mohamed Larbi Ben Mehdi serait suicidé. Et heureusement qu'en fin de compte, Osares, malgré sa méchanceté, il a donné beaucoup de détails sur justement l'exécution de Mohamed Larbi Ben Mehdi. Ce qu'on fait maintenant avec les témoignages dont vous avez cité Jacquard, Bonnel, Béjart et beaucoup d'autres, il y a eu de très 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 longues discussions entre c'est Mohamed Larbi Ben Mehdi et des politiques et des militaires, comme vous savez, à Alger, les parachutistes, c'est des gens qui sont venus d'Indochine, donc ils étaient rompus aussi à la politique. Ces militaires ont été séduits par la sérénité, par le calme de Ben Mehdi, qui parlait beaucoup, qui discutait de tout, de déséquilibres mondiaux, de la colonisation, donc il était à l'aise.
Et donc, c'est pas quelqu'un, je ne pense pas qu'il y ait été torturé. Personnellement, avec tous les. D'ailleurs, il y avait ordre de le liquider, parce qu'il était irrécupérable. On dit que c'est Mitterrand lui-même qui aurait donné le feu vert pour son exécution. Tout à fait. C'est-à-dire, on sait que maintenant, au Sarès, il l'avait dit, quand ils l'ont fait rentrer dans la pièce, là, dans une ferme désinfectée à la Mitija, le départ, c'était après la présentation des honneurs militaires, c'était 23h. Donc à 23h30, l'équipe de Sarès avec les 6, ils sont arrivés, bien sûr, ils avaient les mains et les pieds enchaînés, parce que même quand Bizarre il a demandé à ce qu'on lui enlève les menottes, Benhidi a dit si jamais les menottes sont enlevées, la première des choses que je vais faire, c'est de fouiller. Oui, oui. C'est-à-dire pour ne pas aller... Et quand, d'ailleurs, ils ont fait un essai, ils ont passé une corde derrière, c'est horrible, derrière une tuyauterie de chauffage à 2,5 mètres. Et même un des parachutistes a mis un tabouret et il a essayé de simuler pour voir si le dispositif marchait. Et puis, quand ils l'ont mis, voilà les derniers. Et il a donc pendu haut et court, il n'a pas été étranglé. Non, il a été pendu, et justement, Osares dit que la corde a cassé une première fois. Donc, il a fallu une deuxième fois. Ce qu'a dit l'Arbi Ibn Mehdi à l'officier qui voulait lui mettre le bandeau sur les yeux, il lui a dit, ne me mets pas le bandeau. L'autre, le soldat lui a dit, moi j'ai des ordres, l'Arbi Ibn Mehdi lui a dit, moi-même, je suis colonel de l'armée de libération nationale, et je sais ce que c'est que des ordres. Malheureusement, Osares était salaud, ils lui ont quand même mis le bandeau. Mais c'était le dernier mot de Benhidi. Même que la corde a cassé, et au deuxième, il n'a pas ajouté un mot. Montasaro Botron, selon vous, oui. Est-ce que Allaire, qui n'était que lieutenant à l'époque, Jacques Allaire, aurait pu rendre oui. les honneurs militaires par un piquet d'honneur composé de 12 soldats français en armes, présenter les armes de façon officielle dans les règles de l'art, est-ce qu'il aurait pu le faire alors que Osares était violemment opposé? Est-ce qu'il aurait pu le faire s'il n'avait pas reçu l'aval personnel de Bijard dont on dit qu'il lui avait donné son accord par téléphone? Pas l'aval, l'ordre de Bijard. L'ordre, ça veut dire que c'est Bijard qui a décidé. D'accord, allez-y. Il a ordonné, bien sûr. Oui. Et puis, d'ailleurs, Allaire, il le dit, c'est interdit dans le règlement de présenter des honneurs militaires après le coucher de soleil. Mais que voulez-vous, on ne pouvait pas, le transfert des prisonniers s'est fait de nuit. C'était 23 heures, donc ils l'ont fait. Pourquoi? Bijard a tenu à garder en vie Benhidi. Bijard, en discutant avec Benhidi, il a cru qu'il pouvait le tourner. Et d'ailleurs, même Osares raconte une scène très émouvante. Il dit que Bijard était quand la preuve, ils étaient à trois, et voilà, et la discussion, comment elle est dite selon Osares. Alors Osares, il dit à Benhidi, que pensez-vous de mon équipe, le troisième RPC? Benhidi lui dit, bon, c'est des jeunes énergiques, voilà. Et lui dit, vous savez, ils vous ont quand même capturé. Ben oui. Et il lui a dit, que pensez-vous de votre capture? Benhidi lui dit, c'est de la bonne chance de votre côté. Et la malchance de mon côté. Bizarre lui dit devant Osares, il lui dit non, c'était copains qui t'ont livré, c'est tes amis. Alors Benhidi lui dit, et pourquoi mes amis m'auraient livré? Il lui dit, parce que toi tu es arabe et eux ils sont kabyles. Donc alors, l'Arbi Ibn Mehdi, il a affiché un sourire, c'était le dernier mot. Et Osares a regardé Bijard et lui a dit, celui-là, tu vas le retourner, tu es malade. Et puis... Ça veut dire, il lui a dit ça pour Osares, le retourner, en fait, d'abord, Ben Mehdi était chaoui, je crois. Et puis, c'était pour le retourner, ça veut dire le piéger, quoi. Pour lui dire que la direction, les autres, parce qu'ils sont kabyles, donc ils t'ont donné. Alors Ben Mehdi a souri un sourire moqueur.
Osares s'est levé, il a regardé carrément Bichar avec Mitri, et c'était la dernière chance pour Bichar voulait prouver un petit truc pour le garder. Donc il l'a pris. Et puis même Osares, c'était pas le décideur. Bah, je reviendrai vers vous tout à l'heure pour vous demander de nous dire. Je reviendrai vers vous tout à l'heure pour vous demander de nous dire si, selon vous, il a été, l'Arabie Ben Mehdi a été vendu par ses frères, comme lui a dit Bijar. Je reviens à vous dans un instant et je reviens à Belaïd Abban. Belaïd Abban, je vous laisse poursuivre. Vous nous parlez du parcours du Shahid. Oui, mais enfin, nous sommes déjà entrés dans les détails et même dans l'anecdotique. Moi, il me semble qu'il y a des choses plus importantes à dire sur l'Arabie Ben Mehdi. Donc, j'en étais à l'étape constantinoise où Ben Mehdi est entré en révolution, est entré donc dans le mouvement national, et puis donc dans l'OS, dans l'Est algérien, comme adjoint de Boudiaf. Donc il a activé au sein de l'OS et puis après la tension entre les centralistes et les messalistes, il y a eu cette nécessité de dépasser les clivages et d'unir le mouvement de libération nationale. Et c'est comme ça que Ben Mehdi est entré également dans le sillage du CRUA avec Boudiaf et Ben Boulaïd. Ensuite, c'est le novembre 54, création du FLN, et Ben Mehdi est désigné pour prendre en charge la wilaya oranaise. Alors pourquoi me dirait-on, pourquoi il a été désigné pour l'Oranie? Tout simplement parce que après la clandestinité, après le démantèlement de l'OS en 1950, les militants de l'Est algérien ont été mutés vers l'Ouest, et certains des militants de l'Ouest sont venus dans l'Est. En tout cas, pour les militants de l'Est, la plupart ont été mutés dans une région où ils n'étaient pas connus. C'est le cas de Bossouf, c'est le cas de Mohamed Mchafi, et c'est le cas également de l'Arabie Ben Mehdi. Et donc, très vite, Ben Mehdi est parti rejoindre la délégation extérieure. En fait, il a rejoint Boudiaf, avec qui il s'entendait très bien. Il avait des rapports très amicaux, et puis il y avait une espèce de complicité entre les deux hommes. Il y avait après quelques voyages entre le Caire et le Maroc pour l'approvisionnement en armes, la prospection à l'approvisionnement en armes. Ben Mehdi et Boudiaf se sont établis définitivement au Caire et se sont joints à la délégation extérieure. Ce qu'il faut dire, c'est que Ben Mehdi s'est très vite senti mal à l'aise dans la délégation extérieure pour deux raisons. La première est que il a constaté qu'il y avait des clans au niveau de la délégation extérieure, le clan Ben Bella et Boudiaf d'un côté, et le clan Khedar et Aït Ahmed de l'autre côté. D'autre part, il s'est senti également mal à l'aise parce que il a constaté que Ben Bella était très proche des autorités égyptiennes. Et puis qu'il est allé même jusqu'à lui reprocher sa défaillance en matière d'approvisionnement en armes. Et c'est comme ça que les tensions sont montées et qu'à certains moments, c'est-à-dire au printemps 1956, Ben Mehdi a décidé de rejoindre l'intérieur du pays. Donc au printemps 1956, il rentre en Algérie via le Maroc, et puis il arrive par un train jusqu'à Alger, où il rencontre Ben Khadda, et Ben Khadda le met en contact avec Abban, et après ils ne se sont plus jamais quittés, Abban et Ben Mehdi. Après, si vous voulez, on peut revenir sur les autres étapes. Ensuite, il arrive au moment où se préparait le congrès de la Soumam, et Ben Mehdi s'est joint tout naturellement à la direction intérieure, et il a participé en tant que président du congrès de la Soumam. Nous reviendrons vers vous dans un moment. Il y a une étape très importante sur laquelle nous reviendrons, si vous voulez, c'est l'étape de la bataille d'Alger. Exactement. C'est la question que je m'apprêtais à vous poser, justement. Si le base, d'après vous, beaucoup de gens pensent que l'Arabie Ben Mehdi a été trahi par les siens,
par ses compagnons. Pourquoi, à votre avis, il gênait qui et pourquoi, une fois qu'il a été trahi, pourquoi a-t-il été décidé de l'exécuter? Alors, d'un côté, pourquoi, d'après vous, ses compagnons l'auraient trahi, si tel a été le cas? Nous poserons aussi la question à Montasaro Botron. Et pourquoi, du côté français, a-t-on décidé de l'exécuter? Pourquoi il gênait autant de monde, l'RBB? Ce sont deux questions très importantes, mon cher frère Jamaldine. La première question, c'est la trahison, qui continue jusqu'à maintenant, sans aucun doute. N'oublie pas que l'Arbib Mehdi est l'un des, si vous voulez, des six enfants, tous cinq, qu'ils ont des... Hein, oui, des six qui ont allumé les feux de la Toussaint, comme on dit. Absolument. Ouais. Il a été avant d'être rejoint par les trois autres, puis... Bien sûr, mais voilà. dans la réalité, c'est l'un des six oui, premiers. Oui, exactement. Personne ne peut falsifier l'histoire. Là, sa trahison a été parce que Ben Mehdi, à l'époque, il était un fantôme. Personne ne le connaît. Oui. Du côté de la France, oui. Il entend parler de lui, mais c'est un fantôme. Oui. Hein. D'après les informations qui m'ont été parvenues de ma famille, je ne parle pas de l'histoire actuelle. Oui. Hein. Oui. D'après les renseignements et des recherches que j'ai fait au niveau du bureau des archives de guerre à Genève, en ce qui concerne la guerre de libération algérienne. Oui. Ben Mehdi a été trahi par un certain Brahim Chargui. Même ma grand-mère nous a dit ça. Moi, je ne prononce ni pour ni contre, mais j'aimerais que vous soyez très prudent. Quand oui. il s'agit de nommer des gens, quand il n'y a pas de preuves, c'est parce que vous savez, tout à fait. Très facile d'accuser des gens, de salir leur honneur. J'allais dire. C'est très difficile de les laver après. Absolument. Donc, vous n'êtes pas absolument sûr. Absolument. Ouais. J'allais continuer. C'est une information qui n'est pas à 100% correcte. Donc, si on est vrai qu'à 99,99%, on n'est pas sûr et donc tout ça pourrait d'accord. salir l'honneur d'un homme ou de tout sa descendance. Mais et donc, à la dernière. Et la conclusion, c'est que Ben Mehdi a été trahi. Pourquoi? Parce que vous allez, comme vous allez mentionner à M. Obtron, c'est oui, ça oui. Vous allez lui poser une question sur la bataille d'Alger. Oui. C'était grâce à Ben Mehdi. Oui. Hein? Oui, c'était le grand patron. C'est le grand patron, parce que... Le grand politique, militaire. Pour causer des obstacles énormes hein, à la France coloniale à l'époque, que son économie souffrait énormément après la défaite de la bataille de Dien Bien Phu. Hein? Ben Mehdi, c'est un architecte des passes à long terme. Qu'est-ce qu'il a fait hein? pour paralyser la force française? La meilleure, c'est de mener le combat dans son quartier à Alger. Et c'est comme ça qu'ils ont déclenché la bataille d'Alger. La bataille d'Alger qui a fait connaître la révolution algérienne au niveau du monde. Monde entier, ouais, voilà. Ouais. Au niveau de l'ONU, au niveau ouais. du monde. Ouais. Donc, la voie de la révolution algérienne s'est fait partie à partir du déclenchement de la bataille d'Alger. Hein? Restez avec nous. Restez avec nous, monsieur le Bas. Je reviens à Montasar Obtron. Même question. Pourquoi tout le monde s'accorde à dire que l'Arbib Mehdi aurait été trahi? Pourquoi? Qui il gênait du côté de ses compagnons? Et une fois qu'il a été arrêté, pourquoi a-t-on ordonné son exécution? Ça veut dire qu'il semble qu'il ait dérangé autant c'est les gens des deux, autant les révolutionnaires, si on peut leur donner ce qualificatif, que les colonialistes. Pourquoi, Montasar Obtron? Oui. Moi, il y a un livre d'un historien journaliste français qui s'appelle Pierre Pilissier, et le titre du livre est La bataille d'Alger, donc où il y a beaucoup de témoignages, dont certains inédits. Je veux d'abord faire le point sur Brahim Chergui, qui est un moujahid. Quand il était vivant, c'est Ben Khadda, il a justement rejeté cette thèse. On a voulu coller à ce monsieur, c'est-à-dire une accusation qu'il ne connaît pas où cricher l'Arbi Ben Mehdi. On le voit dans le film, il est photo avec l'Arbi Ben Mehdi quand ils sortent ensemble. C'est lui, Brahim Chergui. C'est vrai que Brahim Chergui occupait une cellule à côté de celle de Ben Mehdi. Mieux encore, dans le témoignage d'Alain,
avant qu'ils aient pris Ben Mehdi au Sarès, Alain est venu vers Sergi avec d'autres détenus. Il lui a dit, est-ce que tu connais l'Arbi Ben Mehdi? Brahim Sergi lui a dit non, c'est-à-dire il a fait pour une accusation. Il lui a dit peut-être qu'on s'est rencontré comme ça, rencontre scout. L'autre Alain lui dit, c'est pas important parce qu'il m'a chargé de vous laisser cette montre. L'autre, il lui a dit, pourquoi il a laissé la montre pour moi? Alain lui a dit, je crois qu'il n'aura pas vraiment besoin de cette montre. C'est pour ça qu'il l'a laissé. Donc, accusé, Sergi, je crois que ça a été tranché. C'est des gens qui l'ont fait. On parle, il y a beaucoup de suppositions, beaucoup de gens auraient pu. Mais la plus importante, on parle d'une femme qui a été torturée à mort, qui connaissait le lieu, une agence de liaison. On parle aussi d'un propriétaire d'une agence immobilière qui était chargé de louer des appartements. De toute façon, le lieu, au début, c'est où Ben Mehdi a été arrêté. L'équipe de Béchard allait pour arrêter Ben Khadda, Joseph. Et puis, voilà, ils sont tombés sur la date de l'arrestation. Il y a plusieurs versions. Ce n'est pas automatiquement le 23. On parle du 18. Oui. Mais ce qui est sûr, avec toute l'abondance qu'il y a, Ben Mehdi parlait franchement. Déjà, on le traitait d'idéaliste. Quand on lui parlait des bombes, Ben Mehdi n'a jamais mis une bombe au milieu. Parmi, il disait, oui, il assumait, pas comme d'autres. Ben Mehdi a fumé, il leur a dit même qu'une bombe vaut mieux qu'un long discours. Et puis, il commençait à parler de l'indépendance. La question cette histoire de... D'ailleurs, il leur a même dit, dans les discussions, que voilà, le Parti communiste algérien exagère dans ses déclarations, qu'il ne collaborait pas vraiment avec le FLN, mais que l'indépendance, il va l'avoir. Quand ils lui ont dit, maintenant, tu es tombé, tu es chef, tu vas mourir, il leur a dit, vous vous trompez. Il leur rappelait même les chants des partisans de la résistance française. C'est un homme éblouissant, mais pour le truc, il n'a pas de... comme vous avez parlé de Donino vous bombardier, il lui dit, oui, le terrorisme aveugle, c'est tout ce qu'on a comme arme, c'est ça pour arracher l'indépendance, mais il leur disait que vous vous trompez. Et quand ils lui ont dit que vous avez perdu, il leur a dit non, jamais, c'est vous. Vous allez perdre l'Algérie. Négociez pendant qu'il est temps, avant que ça soit trop tard. Parce que je vais tomber, il y aura quelqu'un qui vient. Et je tiens à souligner une phrase très intéressante. Il a dit à Bichard, carrément, il lui dit, moi, je ne me fais pas d'illusions. Vous savez que Ben Mehdi, quand il y a eu les querelles, les courses au pouvoir, il leur a dit une phrase fameuse. Si vous ne pouvez pas porter la révolution, jetez-la au peuple. Il sera sans charger. Oui. Abidjan, il lui dit, je sais. Montassaro Botron, d'abord, je vous remercie d'avoir rendu justice à la mémoire de Brahim Sergi. Sinon, je voulais aussi savoir pourquoi l'ordre a été donné d'exécuter, d'assassiner l'Arbi Ben Mehdi. En quoi il gênait, il était prisonnier, ils auraient pu le garder comme ils ont gardé les autres prisonniers, les autres leaders de la révolution qui ont été pris, comme par exemple Rebah Bitat, comme les cinq qui ont été pris. Pourquoi lui a-t-il été décidé de le faire assassiner? Quand on voit à partir du 23 les discussions qu'il y a, c'est Max Lejeune d'ailleurs, même au Sarès, il a reçu l'ordre. Ossarès dit même que le rapport du suicide de l'Arbi Ben Mehdi a été établi par un juge 24 heures avant son exécution. Et Max Lejeune, secrétaire d'État à la guerre, a dit au général Massu que l'Arbi Ben Mehdi doit disparaître. Et quand il a vu que Massu a rougi, il lui fait c'est ça. Il lui dit personnellement, c'est le pilote de l'avion. Où il y avait Ben Bella, n'était pas français, l'avion ne l'aurait jamais atterri. C'est-à-dire un ordre de la 4e République de François Mitterrand, et maintenant on sait qui est le juge. C'est le fameux juge Bérard, qui a été qui est connu à Alger. Après, cette thèse, elle a été prouvée par Maître Vergès, comme vous savez. Et maintenant, on sait que les archives. Ben Mehdi était cassant, il était dérangeant. Donc l'option, à l'époque, quand on voit la révolution... Dérangeant en quoi, Montassaro Botron? Dérangeant en quoi? Est-ce qu'on craignait son procès
que des choses soient dites pendant un procès, que la révolution algérienne apparaisse sous un visage aussi noble, aussi digne. Qu'est-ce qu'on craignait au juste? Pourquoi l'a-t-on effacé? C'est-à-dire au niveau d'Alger, il y avait une tendance ultra. Donc je pense, comme beaucoup d'autres, il fallait tuer Ben Mehdi pour l'exemple. Oui. Pour l'exemple, parce que Ben Mehdi assumait. Même ce qu'il n'a pas fait, tout ce qui a été fait, les bombes, etc., il en revendiquait. Il n'a jamais dit que c'était pas moi. Oui, c'est ça. C'est le terrorisme aveugle dans le truc, il l'a revendiqué. Comme restez avec nous, Montassar Botrol, je reviens à vous dans un instant. Bled Abben, nous allions parler tout à l'heure, vous alliez parler de la bataille d'Alger. C'est la partie la plus importante du combat du fameux Shahid, mais pas seulement, mais il est surtout connu pour avoir mené de façon aussi spectaculaire, aussi héroïque, la bataille d'Alger. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, mais moi je voudrais quand même revenir sur les choses qui ont été dites. Oui, je vous en prie. Bien sûr, quand même, c'est quand même très grave, sans avoir les éléments nécessaires, de venir ici sur un plateau de télévision et de jeter Brahim Chelgui en pâture. Je pense que la personne qui est sur votre plateau, qui est donc le parent de notre héros, l'Arbi Ben Mehdi, devrait être un peu plus prudente, parce que Brahim Chelgui, c'est un grand héros de la révolution également. Un membre de l'OS est le chef de la branche militaire, la branche politique durant la bataille d'Alger sous la responsabilité de Ben Youssef Ben Khadda. Alors, moi je voudrais quand même apporter des éléments. Il faut parler sur des faits. Les faits, c'est quoi? Je vais vous lire le témoignage de madame. C'est un point important. Il faut quand même que cette histoire-là soit réglée définitivement. Le témoignage de Nassima Hablal après le témoignage de Ben Youssef Ben Khadda. D'abord, commençons par celui de Ben Youssef Ben Khadda. Il dit une chose qui est, à mon avis, irréfragable, c'est que Brahim Chelgui a été arrêté après l'Arbi Ben Mehdi. Donc il ne pouvait pas donner l'Arbi Ben Mehdi, puisque l'Arbi Ben Mehdi a été arrêté. Ils se sont certes retrouvés dans la même prison, dans des cellules contiguës, mais ils ne pouvaient pas le donner. C'est une chose impensable. Sauf si Ben Khadda est un menteur. Or, tout le monde sait que Ben Khadda, il a certainement beaucoup de défauts, mais il est honnête intellectuellement. Il ne peut pas inventer un mensonge pareil. Deuxièmement, je vous donne le témoignage de Nassima Hablal. Et ça, parce que c'est très important de savoir ce qui s'est passé. Voilà ce qu'elle dit, Nassima Hablal. Donc c'est une Moudjahida qui était agent de liaison entre le CCE et le syndicat, hein, syndicaliste Aïssatidé. Elle dit, l'Arbi Ben Mehdi a été arrêté le 23 février 1957 à 2h du matin par les troupes du colonel Bijab, tout à fait par hasard, dans un appartement situé au niveau de la rue Claude Debussy à Alger et qu'il devait quitter à 4h. Les paras qui l'ont arrêté n'ont découvert son identité que 24 heures plus tard, car son arrestation est due, là je cite Nassima Hablal, à un extraordinaire hasard, à la suite de la découverte à Paris d'une boîte postale dans une parfumerie appartenant à la famille Bensian. Un juge parisien délivrera une commission rogatoire qui déboucha sur une perquisition opérée dans l'immeuble des Bensian et dans lequel transitait pour 2 heures Ben Mehdi. Personne donc ne l'a dénoncé, puisque seul Ben Khadda, qui lui avait remis les clés du local, quelques heures seulement avant l'arrestation, savait qu'il s'y trouvait. Donc voilà quand même des faits, ça ce sont des témoignages. Je crois qu'il ne faut pas aller chercher dans les livres écrits par des officiers parachutistes pour savoir si... Voilà. Merci Bled Abben, à vous aussi d'avoir rendu justice à M. Brahim Chelgui, Rabbi Rahmou. Sinon, je vous laisse... brièvement nous parler de la bataille d'Alger, parce qu'il nous ne reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Voilà, la bataille d'Alger, d'abord, ce n'est pas seulement l'Arbi Ben Mehdi qui l'a faite, c'est une œuvre collective. C'est le CCE. Je vais vous dire pourquoi c'est le CCE. Qu'est-ce qui a été décidé à la Soumam? À la Soumam, il a été décidé que toutes les opérations de grande envergure doivent être coordonnées par le CCE. C'est sur la base de la primauté du politique sur le militaire. C'est pour ça
que c'est le CCE qui a coordonné, qui a décidé de la grève générale, parce que ce n'est même pas une bataille. Il a décidé de la grève générale, ce qu'on a appelé la bataille d'Alger, et l'armée Ben Mehdi a coordonné les groupes armés dirigés par Yassir Ali. Pendant que les autres dirigeants, notamment Ben Ghadda, Dahleb, Abban, étaient désignés pour d'autres tâches. Donc c'est une œuvre collective, et comme votre invité l'a dit, c'est le peuple tout entier. Parce que sans le peuple d'Alger, il n'y aurait jamais eu de bataille d'Alger. Alors, qu'est-ce que c'est la bataille d'Alger ? C'est une vaste opération de police, et vous voyez, les quatre officiers principaux à Alger qui sont impliqués dans l'arrestation de Ben Mehdi, c'est Massu, c'est Bija, c'est Trinquier et c'est Ossarès. Ceux-là, ce sont les principaux, agents du quadrillage et de la répression dans Alger, lors de la bataille d'Alger. Donc, voilà, c'est une opération de... Merci Belaïd Abban, restez avec nous. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Saïd Baze, nos deux invités vous contredisent de façon rigoureuse, vigoureuse, et c'est des invités qui sont parfaitement bien documentés, qui écrivent des livres d'histoire, qui vont faire des enquêtes très fouillées, et qui connaissent parfaitement ce genre... d'ailleurs, ils viennent de vous citer des faits. Est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir été trop vite en accusant... Je ne regrette jamais ce que je dis, parce que ce que je dis sur Brahim Cherghi, j'ai bien mentionné après que c'est une information qui n'est pas à 100% correcte. Donc, il ne faut pas le tenir en cours de ce... Il ne fallait pas le citer du tout. Mais tout le monde. À mon avis, à mon humble avis, il fallait pas citer tout le monde. Imaginez ses enfants, sa famille, sa descendance. Tout le monde parle de ce nom. C'est pas moi qui l'a parlé, c'est pas moi qui l'a inventé là. Il est dans le cours de l'histoire, que ce soit du côté, du côté de la révolution ou contre la révolution. Maintenant, revenons à Ben Mehdi, si tu veux, sur le plan d'exécution. Oui. Personne ne le sait. Personne ne le sait comment qu'il a été exécuté. Tout le monde le dit. Ossarès le dit dans son livre. Oui. Il y a ma grand-mère Drifa qui lui a répondu là. Oui. Pendant la sortie de son livre là. Oui. Il a vécu 56 ans de torture, Ossarès. Oui. Et à cause de ça, vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Ossarès après la sortie de son livre, de son fameux livre. Il a été discrédité, si tu veux, de ses médailles et tout. Mais... Ah bon, ah ben, je sais oui, pas. Oui, oui, oui. Il vous a êtes été... sûr de ce que vous avancez ? Oui, oui, tout à fait. Il y a prescription, ils ne peuvent pas ? Si. Ils ne peuvent pas, en toute logique, je ne sais pas. Il a même mené une action judiciaire contre, pour récupérer ces médailles-là. On va demander à Montassaro Botron. Montassaro Botron, vous êtes au courant de ça ? Qu'Ossarès aurait été dépouillé de ses médailles, de ses Oui, pour apologie. Pour apologie, ils l'ont pas puni, ils l'ont puni pour avoir dit. Donc le jour où, quand il a dit la vérité, sa tante Drifa avec M. Hassan Ilahimou, moi personnellement, je les ai contactés pour une plainte lors de la sortie du livre en 2001. Ce qu'a dit Ossarès sur Ben Mehdi, sur Boumenjil, donc les informations sont recoupées et sont vraies. Et même Drifa, elle a confirmé quand il a essayé de dire qu'il a été assassiné par Mais est-ce mal. Qu'il a été donc, dépouillé de ses médailles et de ses décorations militaires ? Oui, mais pour apologie de crimes contre l'humanité. Comme ça, et pour avoir, divulgué des informations qui ne devaient pas être divulguées. D'accord, merci. Merci Montassaro Botron. C'est un méchant, mais qui a dit des vérités. Merci. Cette émission arrive malheureusement à sa fin. C'est toujours comme ça, pour des sujets aussi intéressants, c'est toujours trop court. Un dernier mot, mais très très vite, très, s'il vous plaît. Vite, oui. Mon frère Jamaldine. Oui. Bijar, c'est l'exécuteur, celui qui a donné l'ordre. Tout le monde le sait, c'est Mitterrand. Oui. L'exécution de... Bijar, ce n'est pas l'exécuteur, c'est Ossarès. C'est Ossarès, pardon. Oui. Mais Bijar le sait. Il sait que Ben Mehdi est symbolisé. Oui. Il symbolisait, si vous voulez, la bataille et la liberté de l'Algérie. C'est pour ça qu'il doit
être éliminé. Je vous remercie. Merci, Saïd Lebbès. Al-Habib El-Mehdi a dit avant de mourir, il a dit à ses camarades qui l'ont rapporté, il a dit avant même d'avoir été pris, il a dit qu'il préférait mourir avant l'indépendance pour ne pas assister, il a dit comme ça, pour ne pas assister à vos déchirements pour le pouvoir. Il a dit aussi, jeter la révolution dans la rue et le peuple tout entier s'en emparera. Et il a dit à Bijar qu'il a rapporté, il a dit, la guerre révolutionnaire est pure, universelle, longue et dure. Merci à mes invités, à Belaïd Abban, à Montassar Oubatron, à Saïd Lebbès, Rabbi Rahim Shahid. Merci à vous de l'avoir suivi, cette émission. Bqaou ala khair, bsalama.